tu prends pas pour lui. Il va pas y arriver. Mais j'ai peur que ça. Bon voilà, enfin j'ai ce problème. Mais il existe depuis, à mon avis. Enfin moi j'en ai conscience depuis pas très longtemps. Mais ça s'est fait avec les bon, on va commencer parce que si on se oui. Bon. On y va. Bon, bonsoir à tous et bienvenue à ce conseil municipal d'avril qui est important parce que c'est un conseil municipal pendant lequel nous allons voter le budget. Il y a encore quelques retardataires, ils prendront le train en route. Voilà, je voudrais désigner une secrétaire, je dis bien une secrétaire de séance. Merci Christiane. Comme d'habitude. Marie-Hélène, vous voulez procéder à l'appel, s'il vous plaît. Est-ce que tout le monde m'entend là? C'est bon? Alors Jean Aubanel et Virginie Bonin. Franck Bonnet, Nicolas Broche, procuration à Jean Aubanel, Jean-Louis Bruère, Thierry Capio, Paulette Carémio, Cathy Collomb, Cathy Échalier, Georges Faucuit, Arnaud Froment, Sébastien Gadille, présent. Gérard Zegner, présent. Marie-Jeanne Lapierre, Josie Laurent, présent. Vera Lopez Maltès, procuration à Sébastien Gadille, Jean-Paul Manifassier, présent. Jean-Marc Michel, présent. Christiane Reynard, présent. Annie Richard, présent. Françoise Rieux-Fromentin, présent. Floriane Souterrain, procuration à Cathy Échalier et Hubert Thibon. Présent. Est-ce que je marque les absents déjà ou... Écoutez, marquez-les absents à 20h, on verra par la suite. Bon, merci Marie-Hélène. Nous allons procéder à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 16 mars 2022. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Pas de remarques? Donc je fais passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions, donc ce procès verbal est voté à l'unanimité. Point numéro 1 du conseil, la convention avec Enedis pour une traversée de voirie qui se situe, je ne sais pas si vous allez la situer, je pense que si, on est au HLM d'Adis, en haut du collège, au niveau du rond-point. C'est une traversée de la voie communale pour aller du poste qui se trouve à proximité, en bordure de la voie, pour aller au HLM d'Adis. Voilà. C'est une demande de la convention d'Enedis. Donc une demande de l'autorisation de traversée avec la remise en état de la voirie comme il se doit et dans les normes. Je dirais que c'est une convention classique lorsqu'on traverse les voiries communales, pour nous. Hein. Il y en a d'autres pour les voiries départementales qui sont un peu plus compliquées. Oui, c'est pour réaliser un branchement. Merci Thierry. Est-ce que vous voulez des renseignements supplémentaires ou est-ce que je fais voter? Vous situez bien la chose. Hein, en haut du rond-point où il y a le bâtiment de la fibre. Voilà.
Et là, il y a un poste que, et de ce poste, on doit traverser la voie communale pour pouvoir alimenter un branchement côté HLM. Donc, il nous demande l'autorisation. Voilà. Je vais passer au vote pour la signature de cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le deuxième point, ça concerne les tarifs de location pour les logements des sans-abri, en particulier les rez-de-chaussée. Vous savez que ce logement des sans-abri va être mis à la location l'été pour un saisonnier, et au prix, je dirais, modique, avec charge comprise, de 150 euros. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas 5 étoiles, mais ça nous permet aussi d'avoir sur la commune, puisque la commune touristique, un logement de saisonnier, et vous savez que rien que ce fait, ça nous permet d'avoir une subvention de l'État. Alors, c'est vrai que ce logement sera attribué suite à une demande du commerçant du village de Caractère, et ça va nous permettre de maintenir ouvert ce commerce beaucoup plus longtemps qu'il ne l'était actuellement. Parce que vous savoir que, bon, il est ouvert, sans vouloir approfondir la chose, que très épisodiquement. Alors, d'abord, bon, ce logement des sans-abri. Ensuite, les conventions d'occupation qu'il y a pour les rez-de-chaussée du bâtiment E. Alors, moi, je m'entends, parce que, comme j'ai dit ce matin à la réunion avec Ardèche Habitat, je connais les bâtiments par leur prénom. Le bâtiment E, c'est le bâtiment de l'ancienne maternité. Où il y a vivre chez soi et les médecins. Pardon ? Où il y a vivre chez soi et les médecins. En dessous. Voilà. En dessous. Donc, c'est le dessous. Alors, le dessous, est, on va conventionner avec une ergothérapeute qui risque d'intégrer le projet de la future maison médicale, avec un loyer de 250 euros qui est défini par rapport au prix que l'on fait payer aussi à vivre chez soi et au médecin qui se trouve dessus. Donc, ça ferait un loyer de 250 euros par rapport à la surface. La partie de gauche du bâtiment qui fait... pas tout à fait 60 mètres carrés, on a envisagé d'y mettre en place, mais qu'elle ne soit pas encore occupée, celle-là. Un loyer de 245 euros, pardon. Ouais. Je mélange les litres et les kilomètres. Hein, c'est... Et la troisième partie, on a anticipé, je crois, aussi. Et on a mis en place aussi un loyer qui est de 315 euros, puisque la surface... Et les deux, 75,7 mètres carrés. Voilà. Moi, je vous demande de délibérer et sur ces conventions d'occupation. Jean-Marc. Si vous en êtes d'accord. Jean-Marc, oui, Paulette, vas-y. Pas. J'ai une question. Logiquement, il y avait deux potentiels acheteurs sur la partie sous-sol. Qu'est-ce qu'il en vient de ce projet d'acquisition? Parce qu'ils avaient besoin de... Et comme il y a, bon, on comprend bien qu'il y a des nouvelles spécialités, ce qui est bien, mais qu'est-ce qui devient du projet d'acquisition si vous mettez quelqu'un? Non. Alors, le projet d'acquisition n'est pas mort, loin de là. Seulement, disons qu'on a l'opportunité d'avoir des spécialistes, oui, parce qu'il y a aussi un ophtalmo qui va venir, qui vont intégrer le projet. Lorsque le projet de maison médicale sera terminé, donc ils intègrent la maison médicale, et la maison, je dirais, la bâtisse dans son ensemble sera à disposition et pourrait être partagée entre vivre chez soi et les médecins. Okay. Oui, on ne l'a pas abandonné, hein, pas du tout. Ils ont été quand même surpris qu'ils n'aient pas été avertis, quoi, parce qu'ils l'ont découvert quand il y a eu les employés de la mairie qui faisaient les travaux. Ils ont été avertis, ils ont visité avec moi, donc. Ouais, en haut, autant vivre chez soi que... Enfin, moi, c'est le président. Hein, ouais. Je suis membre de vivre chez soi, donc le président. Bon, après, la moi... secrétaire a été averti. Alors, il faut savoir que le projet de vente n'est pas abandonné, non, parce qu'il rentre aussi dans le plan de financement du projet global. Mm-hmm. Parce que, je dirais, cette bâtisse qui a une valeur qui est relativement conséquente. Hein, ouais. Et que ce soit les médecins... ou que ce soit vis-à-vis chez soi, ils sont vraiment très intéressés de parce pouvoir intégrer cet espace. Surface, ils ont besoin de surface en plus. Voilà. Ouais. Alors peut-être verticalement, peut-être horizontalement, c'est à eux de définir leurs besoins. Ah ben, ils ont déjà défini, mais bon, après, ça veut devoir. Hein. Non, mais donc, le projet de vente n'est pas abandonné. Okay. Hein. Pas du tout. Par contre, il faudra définir des espaces pour les parkings, pour les espaces verts, tout ça. Parce qu'il n'y a pas que la bâtisse, il y a l'environnement immédiat de la bâtisse. Oh.
Ouais, je fais passer au vote pour ces conventions. Donc, ce sont des conventions avec des baux précaires et pour des occupations temporaires jusqu'au moment où. Voilà. D'accord. Parce qu'il y a aussi le planning familial qui voudrait intégrer l'espace. Là. C'est en négociation. En attendant, deux. Deux. Non, mais y a pas et de le, voilà. Le prix a été fixé pour tout le monde pareil. C'est au prix au, voilà, au mètre carré. On a fait au prorata à 4,16 euros le mètre carré. Après, c'est à eux à charge de faire leur demande. Bon, je fais voter. Donc pour ces, toutes ces conventions, donc ces quatre conventions, parce que vous avez le 16 avril, les trois conventions de, du fameux bâtiment E, qui est contre, qui s'abstient, donc c'est voté à l'unanimité, merci beaucoup. Troisième point, le label éco-quartier. On a eu une réunion il y a deux ou trois jours là, avec le PNR, le Parc National Régional des Monts d'Ardèche, pour mettre en avant sur le tenement de l'hôpital un éco-quartier. On avait déjà fait des démarches pour, sur certains points pour les récupérations d'énergie, la récupération d'eau, pour les espaces verts. Et bon, ça là, ça va un petit peu plus loin parce qu'il y aurait un engagement sur... au niveau de l'adaptation au changement climatique, hein, entre autres, sur la prévention des risques, sur l'implication citoyenne. Hein. Parce qu'on tient quand même à ce qu'il y ait une démarche quand même participative sur l'élaboration de ce projet, qui est quand même un énorme projet, puis c'est un projet qui appartient à tous les 25. Hein. Donc, nul doute qu'on sera à l'écoute là-dessus. On parle aussi là-dedans, dans ce label éco-quartier, de la production d'énergie, donc il y aura du photovoltaïque, du problème de déchets, de la limitation des déchets ménagers, du recyclage des déchets des entreprises. Voilà, ça fait tout l'ensemble. Il y a la réduction de la consommation d'eau, l'utilisation aussi de l'eau existante, puisqu'on a des sources, voilà, et tout ce qui est valorisation. Voilà, alors ce label éco-quartier, je dirais, a tilté au niveau aussi des services de l'État et des départements et de la région. Il pourrait aussi nous permettre de nous aider à avoir des aides supplémentaires. Donc, moi, je vous propose d'y adhérer. Ça coûte 0 euros. Par contre, on peut avoir aussi des aides du PNR, dans certains domaines qui ne nous a pas encore tout à fait bien précisé, parce que, bon, on a parlé de beaucoup de choses, mais peut-être pas. Voilà. Moi, je propose d'adhérer à ce label. C'est un label écologique avec toute sa batterie qui l'accompagne. Arnaud, tu voudrais intervenir ? Oui. Je me félicite de cette initiative, bien sûr. Simplement, tu n'as pas évoqué la performance énergétique des bâtiments. Est-ce qu'il n'y a pas des exigences ou enfin pour avoir accès à ce label ? Alors, pour le moment, tout est lié à l'ART 2020. D'accord. Pour ce qui concerne la maison médicale, le permis de construire va être déposé en juin. Alors, s'il est déposé en juin et non soumis à l'ART 2022, eh bien, il restera avec les normes 2020. D'accord. Il n'y a pas d'exigence particulière simplement l'application. Ah oui, on va rester là. Par contre, on va exiger absolument du photovoltaïque sur les toits et on va éliminer l'ombrière qui était prévue, qui coûtait, je dirais, un bras, pour ne pas dire les deux, de mémoire, 420 000 euros. Et pour qu'on puisse déporter, je dirais, tout ce photovoltaïque sur les toits. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. On a impliqué l'ABF complètement à ce niveau-là, donc je ne me fais aucun souci. Enfin, je voulais préciser quand même les... Vas-y Thierry, si tu as des... Les constructions réalisées pour la maison médicale et puis la maison seigneuriale, on va l'appeler comme ça, sont peut-être pas des bâtiments, des constructions à énergie positive, on va dire, mais seront l'équivalent de bâtiments basse consommation. Donc,
on part a priori là-dessus, ce qui est aussi a priori compatible avec l'écoquartier. Donc nous, on n'a pas forcément la main directrice sur la construction de ces bâtiments, puisque c'est pas, ils ne nous appartiendront pas. Mais notre objectif est quand même bien d'aller dans ce sens-là. Et sur la partie, on va dire, Plastibon et hôpital, on a bien l'intention d'intégrer des îlots de fraîcheur et de peut-être bien supprimer aussi les îlots de chaleur. Donc, l'objectif est bien de partir dans cette direction-là, pour cette partie de la commune, quoi, et sur ce projet-là. Moi, ce que je remarque, c'est que c'est la démarche participative qui nous est proposée à ce niveau-là. On va nous aider dans ce sens. Et on compte beaucoup sur le PNR, parce que c'est le PNR qui a été à l'initiative aussi de cette démarche-là. Et c'est pour ça que aussi, bon, je vous propose de le voter, puisque je vous dis, ça nous coûte aussi 0 euro. Ce qui, de nos jours, est relativement rare. Voilà. Si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a tout un document qui est en notre possession qui va vous détailler tout ça. Là, ce qu'on vous a donné, c'était vraiment d'un premier jet, là, le fameux truc, c'était vraiment d'un premier jet. Ça retrace les grandes lignes directrices. Bon, je fais passer au vote. En complément là, de ce que tu viens de dire, donc on est plutôt favorable à ce label éco-quartier, il n'y a pas de souci là-dessus. Le seul problème, tu es en train de nous dire que déjà le projet de maison médicale est pas ficelé, mais déjà construit. Donc nous, on n'en a pas d'informations au niveau de la commission de travaux et au niveau de la seigneuriale non plus. Par contre, est-ce qu'il ne faudrait pas les soumettre aussi à ces conditions d'éco-quartier? Sinon, si on ne le met pas sur ces deux bâtiments, ça sera compliqué pour le quartier, je veux dire. Non, mais c'est sûr qu'il faut les intégrer tous les deux. Hein. Il faut les intégrer dans ces éco-quartiers, dans les conditions de l'éco-quartier, il me semble, non? Alors, on n'a encore pas montré des plans de construction, des constructions qui doivent se faire, pour la bonne raison qu'on ne les a pas. Ils ne sont pas terminés, hein, ils ne sont pas officiels, etc. Pour ce qui concerne la maison pour les seniors, il n'en existe même pas. D'ailleurs, pour l'instant, il y a des projets qui existent, mais rien de factuel, quoi. Mais quoi qu'il en soit, toutes les discussions qu'on a avec donc les architectes, enfin, ou les, tout du moins les maîtres d'ouvrage que seront les constructeurs de la maison seigneuriale et les professions médicales. Donc, on a passé le message à tous de réaliser une construction dans le mode éco-quartier. Donc effectivement, il y a toutes les charges. Enfin, il ne faut pas se cacher d'ailleurs. Hein. Ils essayent, ils font leur possible pour pas passer. S'ils veulent poser le permis de construire avant le mois de juin, c'est un problème économique. Hein. Passer en RT, la nouvelle RT 2020 ou 22 qui va arriver, c'est 15 ou 20% du prix qui augmente. Hein. Donc bon, mais ça ne veut pas dire pour autant que la norme actuelle qui est disponible n'est pas compatible avec les écoquartiers, quoi. Non, mais nous, on a notre mot à dire en matière d'urbanisme, quand même. Hein. Voilà, je passe déjà. Si je peux me permettre, donc il me semblait que c'était intéressant d'avoir peut-être une vision globale de ce tellement, je dirais, que ce soit la maison médicale, que ce soit le foyer pour, enfin le foyer, maison donc pour les personnes âgées. Et est-ce que vous avez envisagé éventuellement que ça pourrait être la même structure qui pilote le tout au niveau qui pilote l'ensemble des deux? Oui. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. Hein. Non, moi je. Donc c'est rapproché d'Ardèche Habitat. Qui apparemment fonctionnent très bien et qui ont l'expérience dans le domaine des résidences seniors.
Maintenant, les médecins, eux, travaillent avec leur propre bureau d'études. Hein. Non, mais je dis ça parce que je sais que ce matin, bon, par hasard, j'ai su qu'il y avait une réunion avec Ardèche Habitat, donc c'était peut-être pour ça. Sachant qu'Ardèche Habitat se proposait éventuellement, donc il y a 2 ans en arrière, d'étudier l'ensemble. Et ils auraient pu porter ce projet donc éco-quartier d'une façon plus cohérente si c'était le même qui le faisait. Vous l'avez vu uniquement, voilà, donc Ardèche Habitat construit des choses comme ceci, il n'y a pas de souci, construit même des maisons médicales, donc ils auraient pu faire l'ensemble. Alors, la réflexion qu'on a eue ce matin, c'est de mettre en relation tous les archis et tous les urbanistes de l'ensemble du projet, voilà, plus l'ABF. Et y compris, n'oublions pas, la communauté de communes, qui elle aussi aura des efforts à faire en matière de construction. On a un peu sorti du label éco-quartier, mais enfin, c'était des bonnes questions à poser. Jean-Marc Comona, et comme tout le monde, une petite indication, donc, c'est les titres, c'est des chapitres, il y a 144 pages, je comprends bien, oui. Dans le document, on ne l'a pas, donc c'est normal qu'on pose quelques questions, comment ça se passe, sachant que sur le principe, on le dit encore une fois, on est plutôt d'accord, mais il faut voir un peu comment ça va se réaliser, et c'est vrai qu'une unité de l'ensemble aurait peut-être permis de faire mieux aussi. Je ne sais pas, je pose la question. Mais ça va se passer par l'intermédiaire des relations de tous les archis. Hein. C'est eux qui vont se mettre d'accord. Hein. Sur l'ensemble du projet. Et on aura un architecte urbaniste coordonnateur. Mais et, oui. Et nous, communes, on coordonnera aussi. Parce que bon... Si on va vers l'éco-quartier, ça ne doit pas être que du... que de la façade, quoi. Il faut qu'en face, il y ait quelque chose qui corresponde à... Tout à fait, tout à fait. Donc ça veut dire qu'on s'engage là-dessus et qu'on sera les garants de cette réalisation. Bon, je fais passer au vote concernant ce label. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Des abstentions ? Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Bon, nous allons passer au gros morceau de la soirée, là, le budget. Ce budget qui est... Je le dirais, on ne peut pas le comparer à ce qu'il y avait l'année dernière, parce qu'on a démarré des projets qui sont relativement conséquents cette année, et qui, je le mets entre guillemets, plombe un petit peu l'ensemble des finances communales. Je peux dire que bon, ça fait qu'on ne retrouve pas les mêmes capacités d'autofinancement à la fin, mais on reçoit pratiquement presque 300 000 euros quand même à la sortie, sachant qu'on a quand même dépensé plus de 870 000 euros pour l'achat de l'hôpital, nous, communes, et qu'on est actuellement sur un projet du tennis boulodrome à 1 400 000 et des poussières hors taxe. Bon, c'est vrai, avec des gros projets comme ça, c'est difficile de sortir des marges d'autofinancement équivalentes à l'année précédente. Bon, ça va certainement s'améliorer avec le temps, je le suppose. Concernant, je voulais une remarque, concernant le personnel, le 012, bon, le personnel aussi, il y a une augmentation des frais de personnel. C'est vrai qu'on arrive quand même à des taux qui sont relativement importants pour notre commune. Il faut savoir qu'on a embauché aussi un chargé de mission Petite Ville de Demain, donc qui travaille sur l'hôpital. On a embauché un manager de commerce, on a embauché un policier municipal. Bon, tout ça, c'est un coût. Hein, à un moment donné, il faut savoir ce que nous on veut. C'est, bon. Voilà, je voulais quand même, avant de démarrer et donner le projet à présenter à Josy, je voulais quand même faire évoquer ceci. Bon, on dégage quand même de la marge, ne vous inquiétez pas, on n'est pas quand même à la rue. Hein. Voilà, Josy, à toi la parole, tu présentes-nous ce budget. Juste, il y a le vote des taux avant, non ? Avant de présenter le budget. Voilà, vote des taux, mais hop. Voilà. D'accord. Quand je dis le budget, il y a tout. Il y a le vote des taux, il y a le budget dans son intégralité. C'est bon ? Vous m'entendez ? Ouais. Bon. D'accord. C'est vrai que j'ai une petite voix. Bon.
Alors déjà, je tenais à remercier tous les membres de la commission des finances qui ont travaillé donc depuis 2 mois sur l'élaboration des 2 budgets. Et également tous les membres du personnel qui sont en charge des finances et également les adjoints aussi, chacun dans leur secteur, qui nous ont aidés à élaborer ce budget. Alors bien sûr, la première des choses, vous vous en souvenez, tous les ans, vous faites pareil, vous avez l'habitude, il faut voter les taux des taxes. Donc avant, il y en avait 4, on appelait ça les 4 vieilles, pour les anciens élus, vous vous en souvenez. Maintenant, on n'en a plus que 2, le foncier bâti et le foncier non bâti. Alors on a reçu donc de l'État, l'État 1259, qui nous présente, vous en avez tous une copie, qui nous présente donc les bases, qui ont légèrement, sensiblement évolué cette année, c'est-à-dire qu'on passe pour le foncier de 3,077 à 3,215 et pour le non bâti de 29,352 à 29,800. Donc si on conserve les mêmes taux que l'année dernière, puisque il est donc dans l'idée du conseil municipal de ne pas augmenter ses taux, de ne pas augmenter les impôts, on aurait un produit attendu de 1 281 115 compte tenu de ces 2 taxes. Donc ça, vous le voyez, vous l'avez sous les yeux. Donc ce chiffre, il est repris en bas du tableau, dans le premier petit carré en bas à gauche, 1 281 115. Ça se constate en recettes au chapitre 73, hein, c'est les impôts. Se constate également au 73, le chiffre qui est à côté, les 351 901, qui est la compensation de la taxe à côté de la taxe donc professionnelle et de la taxe d'habitation. Ça, c'est la taxe d'habitation. Et à côté, le DCRTP, c'est la compensation de la taxe professionnelle, les 76 768. Vous avez ce fameux versement FNGIR, qui pour la commune d'Evans, c'est une chance, c'est une recette, mais pour certaines communes, c'est une contribution. Donc nous, ce n'est pas le cas, c'est une recette pour nous. Donc là, c'est donc une compensation de cette taxe, plus le versement d'un coefficient correcteur. Alors c'est une usine à gaz pour calculer tout ça, mais bon, l'État a fait cette manœuvre pour nous compenser la taxe professionnelle que nous n'encaissons plus et la taxe d'habitation. Donc ce qui veut dire qu'on va constater au 73-111, l'article, donc chapitre 73, les 1 281 115, les 351 901, plus ces 76 270, sachant que le 76 768 se constate au chapitre 74, les allocations compensatrices. Et le MGIR, c'est au 73 aussi. Donc voilà pour la page 1 de ce tableau. Et si vous le retournez derrière, vous avez une compensation aussi de la taxe foncière. Alors ça, si je me souviens bien, c'est dû à des exonérations de taxes foncières. Hein, c'est bien ça, Jean-Paul ? C'est des exonérations de taxes foncières qui sont aussi compensées par l'État. Donc on arrive à un total, de ces 3 chiffres-là, de 43 732 que vous retrouverez au budget, au chapitre 74 aussi. Voilà, donc si vous en êtes d'accord de ne pas augmenter les taux ni de les baisser, voilà comment se présente notre état de notification pour cette année. Donc il faut commencer par voter ces 2 taux, si tout le monde est d'accord. Donc je laisse Jean-Marc procéder au vote. Et ensuite, on verra les chiffres du budget. Alors, les éléments qu'on a reçus ce matin concernent la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui est au 74, ça c'est les impôts. Mais c'est vrai qu'il a fallu travailler jusqu'à H-1, on va dire, pour avoir tous les éléments. Et l'essentiel de la DGF, on l'a eu seulement que jeudi ou vendredi dernier, Marie-Hélène. Voilà, donc l'État était en retard pour nous envoyer tous les chiffres. Bon, de toute façon, on avait quand même saisi le budget avec les chiffres de l'année dernière, puisqu'à minima, on sait qu'on a ça. Donc on a pu constater 11 000 euros de plus à la date de vendredi, donc qu'on a rectifié. Donc par rapport aux éléments que vous avez reçus sur vos boîtes mail, il y aura 11 000 euros de plus en fonctionnement, puisqu'on a réétabli les chiffres avec les données récentes. Donc Jean-Marc, je te laisse procéder au vote de D'accord, ces oui, deux, on ces deux tenait taxes. Absolument à ne pas toucher cette déposition. Je pense que c'est un grand avantage pour nous de pouvoir le faire. Et je vous propose de voter ces taux. Comme disait notre position, juste. Donc pour les taux, il n'y a pas de souci particulier, puisque la commune d'Evans est reconnue au niveau départemental d'avoir
des taux les plus élevés d'Ardèche, je vais dire quelque chose. Hein. On est dans les 4 ou 5 où il y a les taux les plus élevés. Donc c'est bien de ne pas augmenter encore ces taux parce qu'on met des vincennes et des vincennes dans des conditions donc défavorables, on va dire comme ceci. Donc on est, on est favorable effectivement à maintenir ces taux et pas les augmenter, même si peut-être on aurait pu les diminuer, mais on n'en est pas là. Hein. D'accord, non, mais... Vous avez derrière, dans la page 2, vous avez le taux national et le taux départemental, pour comparer, hein, à la page 2, à la fin du tableau. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on est à 39,17 pour le foncier. Hein, donc le taux national, c'est 37,72 et le taux départemental, c'est 38,32. Et on est au-dessus. Quant au non-bâti, par contre, on est mieux placé. Puisque nous sommes à 73,15 et vous avez donc 50,14 au niveau national et 79,65 pour le départemental. Donc là, on est légèrement en dessous, sensiblement en dessous, et l'autre, on est sensiblement au-dessus. Voilà. Bien. On prend en compte ces remarques. Je fais passer au vote justement pour cette non-augmentation des taux. Est-ce qu'il y a des voix contre ? Les abstentions, donc c'est voté à l'unanimité, on ne touchera pas à ces taux pour cette année. Josy, je te laisse la parole pour la suite, oui. Qui est aussi intéressante. Oui, donc vous avez eu tous les éléments par mail, donc ce soir on vous a juste présenté l'essentiel, et vous savez, je vous rappelle qu'on vote le budget par chapitre, donc on vous a mis que les chapitres, hein, en fonctionnement, dépenses et recettes, et en investissement également. Par contre, on vous a rajouté les tableaux concernant la dette, qu'on verra tout à l'heure. On vous a rajouté les subventions aux associations qui doivent être nominatives au budget. Et on vous a rajouté un petit état qui a pu être fait ce matin, extrême limite, parce qu'avec les changements de logiciel, ce n'est pas toujours évident, qui présente donc les dépenses par opération, par programme en investissement. Ça sera plus lisible que par chapitre. Donc, pour résumer la situation, la présentation générale du budget... On arrive donc en crédit de fonctionnement voté à 3,817,812,88 en dépenses et en recettes. On verra le résultat tout à l'heure. Compte tenu en recettes du 002, vous vous souvenez, c'est le résultat de fonctionnement qui a été donc voté au compte administratif. C'était l'excédent de fonctionnement. Donc, il vient bien sûr abonder notre budget. Donc, 3,544 de recettes plus... Ce résultat de fonctionnement de l'année précédente, on arrive au 3,817 qu'on a réparti donc en fonctionnement, sachant que dans ces 3,817, il y a la part qu'on reverse à l'investissement. Puisque vous vous souvenez, je vous avais expliqué que quand on prépare le budget, il y a toujours plus de recettes que de dépenses en fonctionnement, et la différence, elle est reversée à l'investissement par le biais du chapitre 021 et 023. Voilà. Donc, concernant l'investissement que vous avez en dessous, on a réussi à équilibrer aussi avec les restes à réaliser. Donc, vous avez en dépenses d'investissement, on arrive donc à 1,352,521,88. Les restes à réaliser de l'exercice précédent, je vous rappelle, c'est les crédits non utilisés, votés et non utilisés de l'année précédente, 1,476,787. Et là, on avait un solde d'exécution donc déficitaire en investissement de 321,285,89 en 2021. Donc, on arrive à un total d'investissement de 350,594,77 qu'on a pu donc équilibrer avec les recettes d'investissement qu'on va voir tout à l'heure. Donc, 2,037,591 plus les reports aussi, les restes à réaliser de recettes. On arrive bien à 350,594,77, ce qui nous fait un budget général de 6,968,000. On est à presque 7 millions de budget. Voilà, donc là, on va voir le détail derrière, si vous voulez bien. Alors, les dépenses de fonctionnement. Vous vous souvenez que le chapitre 011, c'est là où on dépense, bien sûr, toutes les dépenses liées... au fonctionnement de la commune, hein, aussi bien pour les services techniques que tous services confondus. Donc, budget précédent 650 000. Cette année, on arrive à 860 150. On a, bien sûr, fait augmenter les pôles électricité. On a fait
bouger pas mal de la maintenance parce que tout va augmenter cette année. Donc on arrive à 860 150 en serrant quand même. Et on a travaillé aussi avec le réalisé de l'année dernière, bien sûr. Donc le chapitre 012, le personnel, Jean-Marc vous en parlait tout à l'heure. L'an dernier, on avait 1,7 million. On a dépensé, je crois l'année dernière, 1,593 000 de mémoire. Donc cette année, on arriverait à 1,648 000 compte tenu des agents supplémentaires que nous avons et compte tenu des évolutions de carrière. Voilà, puisque bien sûr nos agents ils progressent. Alors il est évident que pour tout un chacun, ça ne fait pas une grosse augmentation, mais pour les, quand on ajoute les 42 éléments, ça fait augmenter la masse salariale. Atténuation de produits au 0,14. Je ne sais plus ce que c'est 2500 euros. Tu t'en souviens, Marie-Hélène ? Oui, je crois que c'est les remboursements de salaire, ça, quand les... Non, c'est en recette, 0,14. Tu l'as, le détail, là. De toute façon, on a tous les détails hein, pour vous l'annoncer. Donc, le 65, c'est un autre chapitre où il y a autre... On va vous le dire. Hein, autre charge de gestion courante. C'est là où on paye toutes les subventions aux associations, toutes nos participations à tous les syndicats, etc. Donc on arrive à 390 250 pour cette année. On était à 400 000 l'an dernier, bon, ça va. Et le 656, c'est un bug informatique, on n'a pas réussi à l'enlever, hein, mais il y a zéro. Mais il disparaîtra. Le 66, les charges financières, ça c'est le remboursement des intérêts des emprunts. Donc, vous avez le tableau, là, on vous l'a fourni. Hein. On le verra tout à l'heure. Donc, c'est les intérêts qu'on aura remboursés en 2022. 67, charges exceptionnelles, c'est un petit peu un chapitre fourre-tout si on a une dépense imprévue, on va dire. Et ensuite, c'est les opérations d'ordre. Hein. Donc, le 0,23, virement de la section d'investissement, c'est une dépense pour le fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a pu virer à l'investissement 837 449,88. Et le reste, c'est des opérations d'ordre, c'est des écritures blanches qui se passent entre le fonctionnement et l'investissement. Alors, est-ce que vous voulez avoir plus de détails concernant ou le 011 ou le 012 ? On a tous les éléments et tous les détails sous les yeux, là. On peut vous les donner. Alors, le 014, atténuation de produits, c'est le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants. Ah, d'accord. Oui, c'est voilà. Ça. 2523. Oui, oui. Okay. Pardon. Ah, excusez-moi. J'étais en train de vous dire que le 014, donc c'est le dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants pour 2523 euros. Donc tous ces chiffres, ils ont été vus en commission des finances, avec tous les membres de la commission des finances, bien sûr. Hein. Donc pour le fonctionnement, voilà ce que je peux vous dire, mais je peux rentrer plus dans le détail si vous le souhaitez. En recette de fonctionnement, donc voilà nos atténuations de charges au 0,13. Donc 161 100 euros. Je ne sais pas pourquoi on a mis 61 100, l'an dernier on avait 61 000, on a dû le calculer. Ou c'est pour équilibrer peut-être avec les dépenses, oui. Le 70, on avait 128 000 l'année dernière, on arrive à 144 000 cette année. Le 73, impôts et taxes, donc on l'a vu tout à l'heure avec le fameux État 1259, on arrive à 2 199 609 pour 2 103 l'année dernière. Le 74, c'est là qu'il y a notre DGF, donc 1 494 000 avec les vrais chiffres. On était à 891 l'année dernière. Et le 75, autre produit de gestion courante, alors là, il y a les loyers. Donc, on a mis 122 000. Peut-être qu'on aura plus. Tant mieux, ça sera une bonne surprise. Pour l'instant, on en est à 122 000. Alors, 76 produits financiers de 100 euros. Là, sur cet article, on encaisse, je crois, les intérêts du Crédit Agricole. Hein, c'est un petit montant qui rentre tous les ans. Produit exceptionnel 77, parce qu'il y en a toujours, 15 000 euros. Et 78, reprise provision semi-budgétaire, 1775, ça c'est une écriture
obligatoire aussi, une écriture d'ordre. Voilà, donc on arrive à un total de recettes et vous avez le 002 en dessous, hein, le résultat reporté de l'année d'avant, qui était tout en bas de notre tableau du compte administratif, puisque ça, c'est ce qui ressort, si vous vous souvenez du vote du compte administratif, de l'excédent de fonctionnement moins notre déficit d'investissement. Du coup, on n'a pu reporter que 273 634,88 au lieu des 800 000 et quelques, le véritable excédent de fonctionnement de l'année dernière. Donc, on arrive à 3 812,88 de recettes, comme les dépenses. C'est toujours pas toujours facile de jongler pour équilibrer, mais on y est arrivé. Donc, je vous rappelle que c'est un budget prévisionnel et qu'à tout moment, si on constate des recettes en plus, bien c'est parfait, ça nous permet de financer une éventuelle décision modificative. Par contre, il est bien évident qu'on ne peut pas dépasser les dépenses prévues au chapitre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on met en place des codes analytiques. Donc, c'est un travail un petit peu de fourmi, mais on va le faire pour essayer de pouvoir vraiment cibler toutes les dépenses pour chaque service, compte tenu de nos 5 pôles du personnel. Donc, on pourra dire, voilà, pour l'animation, on a pu dépenser tant, tout chapitre et tout article confondu. On va mettre des codes analytiques. C'est un gros travail de fourmi pour nos agents, mais ça va être fait. Et en fin d'année, je pourrai vous dire ce qu'on a dépensé pour l'animation, pour la culture, pour les fournitures de la cantine, pour les fournitures administratives, pour les fournitures scolaires. Voilà, il y aura des codes analytiques et on pourra affiner notre comptabilité. On va faire cet effort en fonctionnement. Et c'était déjà quand même pas mal, mais on va l'affiner encore plus. Concernant l'investissement. Alors, pour l'investissement, bien sûr qu'au chapitre, ça ne parle pas beaucoup, mais on vous a sorti un petit tableau qui récapitule donc toutes les dépenses, toutes opérations confondues. Parce qu'on vote au chapitre, mais avec la notion d'opération. Donc, on a réussi à vous sortir cet état. Donc, si vous voulez, on va commencer d'abord par les dépenses d'investissement. Vous avez dans les parties grisées de ce listing-là, vous avez dans les parties grisées le nom de l'opération ou le nom de achat de terrain, bâtiment technique, etc. Dessous, c'est l'article concerné. Et vous avez dans la dernière colonne le crédit de report plus la proposition, vous avez le total. Donc, les omnis, ça veut dire opérations non identifiées. Hein, c'est pas vraiment des opérations ciblées. Donc, si vous voulez, je passe direct au 1099 matériel informatique. On a 50 000 de reports, 50 243. Vous l'avez tous sous les yeux, ce tableau ? On a rajouté 4 500 parce qu'il y a des ordinateurs à acheter pour soit en doublon, soit à changer, notamment ici, je crois, au service animation culture. Donc, on a 54 743. Achat de terrain, il y a 55 000 de reports plus 5 000 de nouvelles, on a 60 000 pour achat de terrain. Si tu veux commenter quelque chose, tu me coupes la parole, Thierry. Hein. Les bâtiments techniques, on a mis que les reports, 34 200, on n'a pas rajouté de crédit. C'est l'aménagement intérieur, ça. Il ouvre. Cimetière Les Vences, idem, 10 788, c'est des crédits de report. Le mobilico, idem, c'est des crédits de report, on n'a rien rajouté. Alors, le boulodrome, notre gros souci, donc il y a 106 886 de report, on a dû rajouter 576 332, et on arrive à 1 683 218, et j'espère qu'on passera. Sinon, il faudra faire une DM. D'ailleurs, ce boulodrome, il nous met un petit peu, je fais une petite parenthèse, il nous met un petit peu en difficulté de trésorerie en ce moment, puisqu'on a des grosses factures qui sont tombées, de 400 000 euros notamment. Et quand il faut payer une facture de 400 000 euros sur le mois, une fois que la dette est partie et que la paye du personnel est partie, il ne reste pas souvent 400 000 euros. Donc on est un petit peu en difficulté de trésorerie et on va voir s'il ne faut pas faire une ligne de trésorerie ou un petit pré-relais, comme ça s'est passé en 2019, pour arriver à passer ce cap. Parce que le souci, c'est que le budget du boulodrome, il est bien équilibré, mais vous le savez, les subventions, on les encaisse quand les travaux sont finis. Il y a presque 1 200 000 d'or, là. Hein, exactement. Qui ne sont pas rentrés. Hein. Donc, on a envoyé un état au trésorier pour qu'il nous signe l'état des dépenses, mais étant donné que ce mandat de 400 000 n'a encore pas pu être honoré, il n'a pas encore signé. Donc, on tourne un petit peu en rond, c'est le chien qui se mord la queue.
on n'arrive pas à envoyer nos demandes de versement de subvention parce que cet état n'est pas signé. Donc il faut arriver à avoir ces 400 000 euros d'avance. C'est ça, quand on a un projet immobilier important, il faudrait presque avoir l'avance parce que les subventions, elles tombent après coup, quand tout est fini. Donc voilà pour le boulot de Rome. Le classement de la voirie communale, il y a 5 000 euros de report, bien sûr, qu'on a laissé. La fibre optique, 138 euros, c'est un petit chouïa. S'il y a quelque chose à payer, il est là. Ancienne école maternelle, il y a 6 000 euros de propositions nouvelles. Parce que Thierry, tu as des travaux à prévoir à l'école maternelle, à l'ancienne école maternelle ? Oui, on avait des problèmes d'étanchéité là, du côté de la cheminée, là, qui vont se réaliser rapidement. D'accord. Matériel technique, il y a 3 000 euros. Alors, travaux de voirie, on a pu réussir à mettre 46 725 euros. Alors, il est évident que pour les travaux de voirie, c'est la moitié ou le tiers de ce qu'il faudrait mettre. Mais je tiens à vous souligner que dès que toutes les subventions que nous avons sollicitées et à laquelle vous avez, pour lesquelles on a tous délibéré, lorsqu'elles seront notifiées, on pourra, je pense, d'ici le mois de juin, faire une décision modificative qui pourra constater toutes ces subventions et on pourra abonder toutes les opérations qui ne sont pas assez abondées dans le cadre du BP. Tout ça pour assurer Jean-Paul. On aura davantage de sous en voirie. Mais non, mais je le dis quand même. Il y aura une décision modificative. On ne peut pas rentrer des subventions qui ne sont pas notifiées. Elles sont officieuses. On est sûr qu'on les aura. Mais tant qu'on n'a pas le papier qu'elles ne sont pas, on ne peut pas les inscrire au budget. Voilà. Donc, pour la voirie, donc on a 46 725 à ce jour. Bon, on a de quoi voir venir. On est en avril. D'ici le mois de juin, on a de quoi voir venir. Bon, pour le PLU, il restait 4 600 euros de report. Alors, aménagement urbain 87 000, ça c'est mon petit bébé, c'est ma petite poire pour la soif, comme je dis toujours. C'est-à-dire que ces 87 000 euros, ils peuvent servir à abonder éventuellement un manque ou pour le tennis ou pour un autre. On fait une DM et puis on les bascule d'un programme à un autre. Pour le tennis, il n'y aura pas de supplément, hein ? Ben, j'espère. Mais je te le confirme. Non, mais je suis contente. Merci Thierry. Merci Rob. Alors ensuite, c'est pas la mairie de Chassagne, mais c'est la Marie de Chassagne, salle des mariages, mais ça tombe bien puisque c'est la salle des mariages. Donc il y a 13 000 euros de crédit reporté. Le terrain du Clos Monteil, on a 11 544 de report. On a rajouté un petit chouïa, mais avec des centimes, parce que ça nous sert bien sûr à équilibrer le budget. Et pourquoi on a des centimes ? Parce que les reports du CA ont des centimes. Donc, on est obligé de mettre des centimes à un moment donné pour équilibrer. Donc là, on arrive à 13 800,93 pour ce terrain du Clos Monteil qui permettra à Thierry de l'aménager un petit peu dans un premier temps. Réseau d'eau pluviale, 75 000 de propositions nouvelles. Donc, Thierry, tu veux en parler ? Pour du Clos Monteil. Non, oui, tu as quelque chose à rajouter pour du Clos Monteil ? Pour du Clos Monteil, effectivement. Bon, là, il y a une somme qui est indiquée. C'est une opération donc, qui est nécessaire, on le sait, qui se fera. Donc, les subventions sont toutes demandées, ce soit donc, à la DETR, à la région ou au département, donc tout est demandé. Ce projet se fera donc que si ces subventions arrivent, que si les autres subventions aussi arrivent. Bien sûr. Mais on sait aussi que dans ce projet, qui inclut l'entrée des trois kinés qui doivent s'installer donc, sur le plateau, au-dessus, là, on a intégré un aménagement à plateau traversant sur la RD 10. Qui est d'un montant aux alentours de 30 000 euros. Donc, si les kinés s'installent, on aura à le réaliser rapidement. À partir du moment où... les informations qu'on a, c'est qu'ils doivent intégrer ce coin-là du côté de, à peu près vers la fin d'année. Donc, on aura sûrement une DM à faire là-dessus. Oui, de toute façon, une DM, il y en aura, c'est sûr, même plus d'une. Enfin, il est bien évident que tous les projets que nous avons, ils se feront si les subventions tombent. Ah, mais ça, c'est clair. Notifiés. Oui, ça, on est bien d'accord. Donc, c'est bien un budget prévisionnel.
Et voilà, on n'a pas inscrit trop de dépenses, puisque les subventions, on ne les connaît pas toutes. Alors, restauration Cala de Chassagne, c'est un report, donc on a décidé de garder 8000 euros. On a voté les reports. Matériel informatique école, proposition nouvelle 22550, parce que je pense qu'il y a du matériel à changer aux écoles. Enfouissement réseau sec, c'est aussi un crédit de report. Installation des WC, donc on a rajouté 5000 euros en nouvelle, parce qu'on est toujours dans notre projet d'installer des nouveaux WC publics. Alors voilà l'ancien hôpital avec les reports uniquement. Frais d'insertion, il y a 34 520 de reports et 10 000 euros de propositions nouvelles. Bon, ben ça, je suppose que c'est pour tous les futurs marchés qu'on aura à faire, éventuellement. On a 40 520 euros. Équipement de voirie, donc là aussi, il y a 15 000 euros de reports. Donc ça vient, installation de voirie, ça vient un petit peu abonder les 40 et quelques mille qu'on a vu tout à l'heure. Capteur CO2, il y a 10 000 de propositions nouvelles, hein, puisqu'on a le projet de mettre des capteurs dans les écoles et puis dans divers locaux, où il est important qu'ils y soient. Et signalisation routière, 11 000 euros. Voilà pour les dépenses prévues dans le cadre de notre BP cette année, sachant que c'est, on va dire, un embryon de budget, puisqu'on n'a pas tous les éléments concernant les subventions. Et on fera bien sûr une EDM, sûrement d'ici le mois de juin ou d'ici le mois de juillet, lorsqu'on aura toutes les recettes qui vont tomber, qui seront notifiées, on va dire. Pas qui vont tomber, mais qui seront notifiées. Donc voilà pour les dépenses. Donc vous avez, je vous ai donc listé là le détail par opération. Et on retrouve le total donc dans les dépenses d'investissement. À la page 9 là, de votre... vous avez là, c'est par chapitre. Donc c'est vrai que par chapitre, c'est difficile à lire. Donc, on arriverait à un total d'investissement. Dépenses d'équipement, donc 2 314 990 93. Et compte tenu des opérations d'ordre, on arrive à un total de 2 829 308 88. Et le solde d'exécution, 321 000, c'est ce qui était sur notre délibération du compte administratif. Hein, c'est donc... les dépenses, puisqu'on était déficitaire en investissement l'année dernière. Donc, total des dépenses d'investissement cumulées, 3 150 594 77. Donc, ensuite, les recettes. Bon, en recettes, on a essentiellement les subventions reportées, 1 190 712. Vous voyez ce qu'on attend quand même, hein, ce n'est pas négligeable. Le chapitre 10, dotation fonds divers, vous avez là-dessus le FCTVA et la taxe d'aménagement. Donc on a 215 000 de propositions nouvelles. On a un petit peu moins de FCTVA que l'année dernière. Le 1068 excédent de fonctionnement capitalisé, 685 000, c'est notre résultat du compte administratif. Dépôt et cautionnement, 165, il faut toujours... parce que c'est pour les appartements que nous louons, c'est les cautionnements que les personnes qui déménagent nous rendent. Donc on a mis 2500 euros. Et produit des cessions d'immobilisation, 201 800. Marie-Hélène, qu'est-ce qu'il faut, c'est, oui, c'est une, oui, c'est une nouvelle, sa proposition nouvelle, au 024. C'est la vente de la maison de la maison paroissiale. C'est ça, voilà. Les 201 800.